Eh bah dis donc, ça commençait que j'étais sur le point de changer les noms des gens. Et finalement là ça s'est pas fait. Oh! Ça va et toi? Salpat est dans la place, mesdames et messieurs! Donc, je vais resetter les scores. Je vais resetter le joueur de droite. Eh les gars, les joueurs de droite, c'est qui? C'est Alox. Et le joueur de gauche, c'est Tech. Donc on va avoir droit à du Falcon Doudou. Je pense que ça va être bien stylé. Ah, regardez. Captain Falcon Doudou, en fait, c'est ultra nerveux. C'est du grand n'importe quoi. Doudou peut tuer en quelques coups. Il peut repousser. Mais on ne repousse pas un Falcon. Ils vont faire ça sur champ de bataille, qui est un stage plutôt bien pour ce genre de truc. Ouah, ça commence par un genou. Le upper. Oh là, il a voulu commencer à mettre en place un combo. Il met un jab et un autre à l'air. Ça n'a aucun sens. Il peut se faire démonter à tout instant par Tech. Il peut lui mettre un rest. Il vient de lui mettre un rest. Je tiens à préciser, il vient de lui mettre un rest. Hein. Voilà. Il lui a mis un rest. Il lui fait un down throw. Ça va mal se finir. Parce qu'il peut... Punchy. Alors là, ça commence à... Oh là là, il avait cru pouvoir mindgamer une roulade vers l'intérieur du terrain. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Et le down throw du Rondoudou, il est monstrueux parce que si on dévie vers le haut, on se mange le reste. Et si on dévie vers l'extérieur, on se mange la plateforme. Waouh, magnifique genou qui a permis à Alox de se remettre complètement dans le jeu. Alox là qui est solide, qui est chaud bouillant aussi, qu'on n'arrête pas là. Il est bien. Tech qui a du mal à se mettre vers l'extérieur. Je viens de lire les tags, je viens de capter. C'est Tech et Rect. Très bien. Tech qui a raté son edgeguard, mais ça l'empêche pas de frapper. Non, il l'a raté pour de bon du coup. Alox re-rentre vers l'intérieur. Il y a un stade où ouais, on finit par, à force de se manger les upbeats de Ganondorf, ça finit par ne plus marcher. Et Tech qui repousse vers l'extérieur. Voilà, un downstroke ni bien, bien joué là de la part d'Alox. Honnêtement bien joué. Tech qui vient à l'intérieur, qui essaie de mettre le up tilt, il fait peur là, il essaie de désarçonner Alox et au passage il lui met quand même pas mal de coups. Il le monte 72-84%. C'est ça le Rondoudou, c'est vraiment... Ce rest est absolument génialissime parce que même s'il ne part pas, le joueur se prend des dégâts. Il se prend des dégâts parce qu'il a peur du rest et il va commencer à faire des DI en mode « Je vais pas manger un rest !» Il va avoir peur. Et il s'est encore mangé un rest parce que le Tech sur place sur cette plateforme, Tech la connaît très bien. C'est exactement ce qu'il a commencé à faire pour la deuxième vie. C'est mettre un rest au type qui Tech sur la plateforme et ça fait mal. Ça fait super mal. Parce que ça tue pratiquement, en fait, généralement les gens ils s'attendent pas à ce genre de truc. Là, Tech se met franchement très 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 bien. No, X O6 says no sound. Not sure if you're English or French, je sais pas si tu es anglais ou français. In any case, there is no game sound for some reason, we'll try to fix this problem ASAP. Est-ce que je viens de dire? Non! Bad DI. Oh! Double knee. Double knee. Alox qui est complètement revenu avec ce double genou. Je pensais même pas que c'était possible. Ah non, on peut pas punir un bécoté avec ce temps de réaction avec un genou. C'est un petit peu trop lent, malheureusement. Tech qui est vers l'extérieur, qui essaie de se ramener, qui arrive avec un neutre à l'air. Il se fait contrer par les neutres à l'air de Captain Falcon. Captain Falcon qui a mis un downstroke, mais il a mis un full jump. Oh, le mind game. Là, on sent la tentative de salissure de Tech, qui est quand même assez violente, je trouve, personnellement. Hein, après, voilà. Il essaie de lui mettre 2-3 mind games un peu sales. Il essaie pas de parer au plus safe. Ah, qu'est-ce que je disais? La malédiction du commentateur. Puis au moment où je dis ça, il fait un truc tellement safe que du coup, il laisse revenir sur le terrain. Donc, je vais arrêter de parler, en fait.
va essayer de l'expulser sur le côté. Et il met un neutre à l'air, il se mange le down throw, mon dieu. Alox qui a mis une phase, mais ces phases-là, si le rondoudou crouche, il peut mettre un reste derrière et c'est très violent. Le nuage arrive. Non, il n'a pas vu que le nuage était arrivé, il n'a pas regardé le minuteur. Franchement, c'est un truc trop stylé, faut regarder le minuteur, hein. C'est un truc de dingue. Moi, j'aime trop le fait de... Je sais pas, ce concept-là, il est franchement frais. Oups. Le upper qui donne lieu à une victoire de Tech. 2-0, une victoire assez violente. Tech qui a bien posé son jeu, qui a bien posé les 2-3 douilles. Rondoudou, c'est vraiment un style de jeu. Si on fait la moindre erreur, c'est fini